C'est un bon match du début à la fin et c'est vraiment ce qu'on essaie de montrer depuis le début. C'est qu'on est vraiment une équipe, que tout le monde apporte sur le terrain et qu'il faut pouvoir mettre la pression pendant tout le match. Et je crois que c'est ce qui a fait un peu la différence aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même quand on a eu une panne offensive, on a quand même continué à défendre. Chaque fois qu'il y a les joueurs qui rentrent sur le terrain, ils apportent quelque chose, ils défendent à fond. Et au fur et à mesure, l'équipe adverse elle se fatigue parce que le banc n'est pas aussi long que le nôtre. Ils n'ont pas autant de joueurs, ils se fatiguent et puis à la fin on gagne. Je pense que c'est lié à l'enjeu. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'alternative. Il fallait faire un gros match pour gagner et si possible en évitant les frayeurs. Donc voilà, on a répondu présent, j'en suis très heureux, même si ça a été dur à se dessiner au début. C'est un huitième de finale, on a vu les autres dans la journée. Même la Grèce a beaucoup souffert contre la Belgique pendant une mi-temps. Les Polonais ont poussé les Espagnols dans leur dernier retranchement pendant trois quarts temps. Donc on savait nous aussi qu'il faudrait travailler. Et la bonne idée qu'on a eue, c'est de défendre d'entrée. Ça n'a pas porté tous ses fruits immédiatement, mais je crois que le travail d'usure a été très conséquent. On a savouré et combien, parce que c'était extraordinaire cette ambiance et ce public, cette salle est magique. Et c'est pour ça qu'on a envie d'y passer beaucoup de temps. On a savouré à la fin les deux, trois dernières minutes après le coup de sifflet final pour de voir ce public magnifique. Mais maintenant, on pense déjà à mardi, parce que mardi, il faut faire le même type de match, avec bien sûr d'autres enjeux tactiques, parce que la Lettonie est totalement différente de la Turquie. Ça ne vient pas que seulement du Nord, ça vient de toute la France entière pour nous supporter. Et on a pu voir en première mi-temps, où à un moment, on a eu des moments un peu plus difficiles, toute la salle et je vais dire le stade est derrière nous, et c'est génial. Ils vont être compliqués à jouer. C'est une équipe un petit peu atypique, ils shootent beaucoup, ils ont pas des grands comme certaines équipes peuvent avoir, des grands lourds qui postent, voilà, ça va être une équipe un petit peu dans le style de jeu qui ressemble un petit peu à la Finlande. On a eu beaucoup de problèmes à chaque fois qu'on joue la Finlande, il va falloir préparer ce match avec beaucoup de sérieux. Voilà, c'est un quart de finale à fond.